à tous et bienvenue dans cette vidéo haul où je vais vous présenter les achats que j'ai fait en solde hier pour ma fille. Donc j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser si jamais vous avez un bébé d'environ l'âge de ma fille, c'est-à-dire 9 mois, qui porte du 12 mois, puisque la plupart de ces achats sont encore disponibles en solde sur internet, je viens de le vérifier. Donc c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo très très rapidement, pour que vous puissiez retrouver éventuellement les mêmes articles s'ils vous plaisent. Alors, pour moi, j'ai pas acheté grand chose. J'ai quand même acheté cette chemise. Maintenant, je suis vraiment dans l'objectif où j'ai tout le temps envie d'acheter des choses à ma fille, en fait. Donc, je m'oublie un peu et finalement, c'est pas plus mal parce que je pense que j'ai assez de vêtements. Donc, j'ai acheté cette chemise chez Zara que j'aime beaucoup, que je trouve très classe. Je me dis que quand je vais retrouver du travail, ça sera bien d'avoir une chemise comme ça. Et puis, un autre, alors je crois qu'elle était à 29 euros au lieu de peut-être 49 ou quelque chose comme ça, faudra vérifier. Celle-là, je l'ai achetée en milieu de semaine. Et autre achat, une petite folie que j'ai fait, c'est... ça faisait plusieurs années que je les voulais. Tadam ! Les lunettes Ray-Ban. Ça fait des années que je veux une vraie paire de lunettes qui protège bien du soleil et que je trouve jolie. Donc vraiment, cette paire, je l'adore. Et cette paire était à moins 30%. Donc ça vaut vraiment le coup parce que les lunettes Ray-Ban, ça coûte un bras. Ça coûte 159 euros celle-ci. Donc je l'ai eu à 110 euros. Donc c'est vraiment une bonne affaire, je trouve. Je suis passée de mon stand en disant, tiens, je vais encore essayer les paires de lunettes que j'aime bien, notamment celle-ci. Mais juste comme ça, quoi. Je comptais pas acheter. Et là, j'ai vu moins 30%. Je me suis dit, c'est vraiment le moment ou jamais, quoi. Alors pour commencer, j'ai acheté des lots de body chez Zara parce que je me suis rendu compte que ma fille, je m'acharnais à lui mettre des body 6 mois et que ça lui allait plus du tout. Je pouvais même plus fermer les boutons, donc elle se retrouvait avec des body complètement ouverts en dessous. Donc il y avait en solde des lots de 5 body à 10 euros au lieu de 16 euros. Donc je trouve que ça vaut le coup. Moi j'aime pas mettre énormément d'argent dans les body parce que ça se voit pas, quoi. Donc même si c'est pas de la super qualité, faut que Zara en général ça va. Ben, je trouvais ça intéressant, ils sont très mignons. Donc là pareil, hein, il y en avait 5 mais elle porte le 5e puisqu'elle n'en avait plus du tout. Donc voilà, je le trouve assez joli. Donc je trouve que c'est une affaire quand même. 10 euros les 5 body, c'est vraiment pas cher. Ensuite, du coup j'ai acheté des pyjamas un peu pour la même raison parce que j'en avais plus. Et surtout j'avais des pyjamas 12 mois. J'avais calculé qu'elle mettrait du 12 mois en septembre, à l'âge où elle aurait 12 mois. Donc il ferait un peu froid. Et du coup, elle a des pyjamas assez épais et qui lui vont pas du tout pour l'été, qui sont beaucoup trop chauds. Donc il fallait absolument que j'achète des pyjamas beaucoup plus fins. Donc j'ai acheté ce lot de deux pyjamas bout de chou, qui sont toujours disponibles chez Monoprix, qui sont à moins 40%. Donc c'est 12 euros au lieu de 20. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que Monoprix, c'est de la qualité. Je trouve qu'il est vraiment très mignon. Sur un petit nuage, il y a marqué, c'est très romantique, moi j'aime bien le style pastel, romantique pour les bébés. J'aime bien aussi quand à l'arrière c'est comme ça, je trouve ça pratique. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit pyjama. Mais je préfère celui-ci, le deuxième qui était en lot avec, donc ils sont vraiment encore disponibles sur internet. J'aime beaucoup la bordure corail, un peu flashy, orange, voilà, ils sont simples. Mais ils sont très mignons, donc voilà, j'ai fait vraiment une bonne affaire, hein, 12 euros de pyjamas de cette qualité. Ensuite, toujours dans les pyjamas de qualité, moi j'aime beaucoup acheter des pyjamas petits bateaux, même si c'est vrai qu'ils sont pas forcément donnés, mais c'est vrai qu'avant j'achetais des pyjamas orchestra. Et ceux que j'ai achetés, ils ont pas du tout tenu au lavage, j'étais obligée de les jeter. Et du coup, je me dis, il vaut peut-être mieux acheter un pyjama ou deux de qualité qui tiennent, plutôt que 10 qui ne tiennent pas. Donc... voici celui que j'ai acheté chez Petit Bateau qui était à moins 30%, donc il était à 19 euros au lieu de 28 euros. Donc il est vraiment très beau, j'adore la couleur vert cerise comme ça, ça me fait penser à des cerises. Bon, c'est pas des cerises mais ça aurait pu presque avec la couleur verte et les petits points rouges. Mais j'aime beaucoup le soin qu'il porte en fait à tous les détails chez Petit Bateau, je trouve ça vraiment... Puis voilà, la qualité est irréprochable donc... Donc voilà, et j'ai acheté celui-ci, toujours dans le thème fruits rouges. Franchement, il est hyper beau aussi celui-là, enfin moi j'adore. J'adore ces petits détails, les petits nœuds, la bordure. Pareil, bordure sur les manches, enfin vraiment c'est Petit Bateau, c'est impeccable, hein, il n'y a rien à dire. Celui-là était moins 20%, 14 euros, le 17,90.
Donc c'est sur 14 euros, c'est un prix pour un pyjama. Mais voilà, les pyjamas que j'ai petit bateau, ils sont nickel après plusieurs lavages. Et si j'ai une deuxième fille, je vais pouvoir les garder, ce qui n'est pas le cas par exemple des pyjamas Orchestra que j'ai achetés. Donc je pense que c'est un investissement en fait, si on compte avoir plusieurs enfants. Ensuite, on passe aux robes. Donc les robes, moi c'est ce que je préfère acheter pour ma fille. Alors j'ai acheté cette petite robe chez Obaidi. Obaidi, c'est vraiment une marque que j'aime bien parce que je trouve que c'est une marque de qualité et très très abordable qui fait vraiment des beaux vêtements. Il faut chercher parce que pour trouver moi le style que j'aime, vous verrez que j'aime bien le style un peu romantique, petite fille modèle, un peu style jacadi. Ben, il faut quand même chercher. Tout n'est pas dans ce style-là et heureusement, il en faut pour tous les goûts. Mais parfois, on tombe, quand on aime ce style, sur des petites robes super mignonnes et qui, pour le coup, coûtent vraiment pas très cher. Celle-ci a été à 16 euros à moins 30%. Donc voilà, chez Zara aussi, chez Zara c'est encore moins cher et ils font aussi des super belles choses. Bon là je l'ai pas acheté chez Zara, mais donc voilà, celle-ci je la trouve hyper jolie. Elle est style un peu marin et je trouve qu'elle a un style un peu jacadi que j'aime beaucoup. Je sais que ma fille ça va super bien lui aller, elle va être trop trop mignonne avec ça. Donc elle est bien dans le style petite fille modèle que j'aime. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait cette affaire-là parce que je l'avais déjà repérée avant. Et elle me plaisait beaucoup. Ensuite, j'aime aussi beaucoup ce qu'ils font chez Monoprix, donc la marque Bouchou pour les enfants. Il y a aussi des robes dans ce style très romantique. Ça, j'aime bien. Je trouve que ça fait classe. Alors, autant j'aime bien les couleurs pastel, rose, comme ça pour les petites filles. Mais parfois, j'aime bien aussi l'habiller un peu comme une adulte. Comme je m'habillerais moi, en fait, avec des hauts ou des robes que j'aimerais beaucoup. Bon, je dis pas que je mettrais cette robe-là, mais. Le motif comme ça, je trouve ça vraiment très 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 mignon. Celle-ci, elle coûte 13 euros, donc était à moins 50%, donc prix final 13 euros. Et c'est pareil, je trouve que c'est des robes normalement qui coûtent beaucoup plus cher, donc ça vaut le coup d'y aller pendant les soldes. Elle est toujours disponible sur internet, elle est très très mignonne avec des petites chaussures comme ça, bleu marine ou blanche, ça ira super bien, elle sera très très jolie. Donc voilà, si ça Alors, vous plaît, n'hésitez pas. j'ai une passion, mais vraiment une passion, pour les vêtements jacadi pour enfants. Je trouve que c'est exactement le style que j'aime. C'est vraiment le style petite fille modèle. Moi, ma fille, j'aime bien l'habiller comme une petite princesse, quoi, toute chic, toute mignonne, avec des petites chaussures et tout. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais quand je vais vous montrer ce que j'ai pris. Mais bon, le problème, c'est que jacadi, ça coûte vraiment très, très, très cher. Ils font des choses magnifiques, mais. Parfois, je vois des robes à 45 euros, sérieusement, mais mes robes à moi, je ne les achète pas à ce prix-là. Donc, le seul moyen d'accéder à ce type de choses, c'est pendant les soldes. Il y a des vêtements qui sont très très soldés parfois, notamment à moins 50%. Et là, ça commence à valoir le coup. Ça les fait arriver à un prix à peu près normal d'un vêtement sans solde. Donc, je vous montre cette petite robe jaune citron qui est à moins 50%. Donc, elle se retrouve à 19,50 €. Et voilà, j'adore, je trouve que c'est vraiment super joli. La petite culotte qui va avec. Il y a toujours chez Jacadi la petite culotte qui va avec. Et voilà, chez Jacadi, bon, ça se voit pas forcément trop sur cette robe-là, mais il y a toujours un souci du détail qu'on retrouve nulle part ailleurs, ou alors dans des autres marques chères que je ne connais pas. Mais voilà, les petits boutons nacrés, les petites voiles, parfois il y a des petites coutures. De couleurs à certains endroits, enfin c'est vraiment super beau. Pareil, c'est de la qualité. Donc moi, c'est des vêtements que je compte garder plusieurs années et que je compte garder même quand ma fille aura peut-être une fille plus tard. Bon là, je parle moins. Mais quand j'achète des vêtements de cette qualité-là, je me dis, je les garde limite à vie, quoi. Je les donnerai à quelqu'un, ou je les donnerai à ma fille ou à un autre enfant. Mais voilà, c'est des vêtements qui sont vraiment jolis et voilà, je trouve que quand ils sont à moins 50%, ça vaut carrément le coup. En plus, il y a la petite culotte, donc bon. Toujours chez Jacadi, alors celui-ci, c'est ma mère qui me l'a offert. Il est vraiment hyper belle, alors justement. Jacadi, pareil, les petits détails. Donc c'est la robe mouette. Et elle est à moins 20%, donc elle se retrouve à 31 euros. Donc celle-ci, elle est assez chère, donc merci maman de me l'avoir offert. Si tu regardes ma vidéo, et donc vous pouvez revoir les détails, les petits boutons qui sont tout nacrés, marqués Jacadi, les petites mouettes bien, bien brillantes en rose. T'as certaines mouettes qui ont des petits becs
orange flashy. Enfin, vraiment, il y a un souci du détail. Elle était vendue avec la culotte aussi, celle-ci. Là, je l'ai pas là, mais il y a un souci du détail qui est incroyable et que moi j'adore. Je sais que Sophie, elle sera parfaite avec cette petite robe. J'ai hâte de lui mettre. Donc voilà. Donc, ça y est pour les robes, hein. En même temps, hein, ma fille a déjà beaucoup de vêtements, donc j'allais pas non plus lui en acheter 45. Alors maintenant, on va passer dans la catégorie des chaussures. Je me suis rendu compte que ma fille était le seul bébé autour de moi qui portait pas de chaussures à son âge. Moi, je me baladais toujours avec ma fille qui avait les pieds nus dans la poussette parce que je trouvais que vu qu'elle marchait pas, c'était ridicule de mettre des chaussures. Et je pense qu'en fait, maintenant, ben, ça peut être bien de lui mettre quelques paires de chaussures pour aller avec ses tenues. Et chez Obaidi, ils font des paires dans la trentaine d'euros. Et là, elles étaient soldées à moins 50%. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Parce que sinon, acheter des chaussures si chères pour un bébé qui ne les mettra plus dans un mois, je trouve que c'est un peu exagéré. Vous avez cette paire-ci, que je trouve vraiment très très belle. Qui était donc soldée à moins 50% chez Obaidi. Elles sont en cuir intérieur, extérieur, etc. Donc je trouve que c'est de la qualité en plus. Donc pour moi, c'est important de mettre des chaussures de qualité dès le plus jeune âge. Pour l'instant, elles ne marchent pas. Donc j'accepte encore de lui mettre des chaussures un peu plastiques, etc. Quand c'est juste en gros décoratif pour lui mettre dans la poussette. Mais en tout cas, cette paire de chaussures, elle est vraiment très très mignonne. Donc je suis vraiment hyper contente de les avoir achetées. Ensuite, dans la même série, j'ai acheté celle-ci chez Obaidi. Et j'ai pris les mêmes en blanche. Je les trouve très mignonnes parce qu'elles font un peu style petite fille modèle dont je vous ai parlé, que j'aime bien. Alors celles-ci, pour le coup, elles sont en plastique très très rigide. Donc je déconseille pour les enfants qui marchent déjà. Moi, c'est vraiment purement, je sais pas comment on dit quoi, décoratif. Hein. C'est vraiment pour faire joli avec une petite tenue, mais elle ne marchera pas. Elle ne marchera jamais avec ça à partir du moment où elle va marcher. Je lui achèterai jamais des chaussures aussi rigides que ça qui font un peu... Chaussures de ski là, c'est juste pour mettre dans la poussette, mais je les trouve très très mignonnes. Elles sont vraiment, bon, je trouve qu'elles iront bien avec beaucoup de ces tenues, donc voilà, je suis super contente de les avoir trouvées. En fait, j'aurais aimé un équivalent un peu en matière souple, cuir. J'en ai vu chez Cyrillus des marrons, mais je voudrais les mêmes en blanc. Mais bon, je les ai pas trouvées, puis ça doit coûter beaucoup plus cher, donc bon, on verra. J'espère que cette vidéo haul vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager, à commenter comme d'habitude. De plus, s'il y a des articles qui vous ont intéressé, ben, regardez vite sur internet parce qu'ils sont encore disponibles. J'ai tout vérifié ce matin, donc voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en referai certainement d'autres. J'achète très régulièrement des vêtements pour ma fille étant donné qu'elle grandit super vite. Donc si ce type de vidéo vous plaît, j'en retournerai. Donc n'hésitez pas à me le dire.